Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu me sèmes. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Notre histoire, on réécrira les pages. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Chers combattants de la liberté, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passerez un excellent week-end en dépit des vicissitudes sous le régime obsolète et criminel d'Ali Bongo. Je viens vous porter ce message d'espoir parce que nous arrivons au bout du tunnel et je viens vous demander de ne pas relâcher la pression sur le régime chancelant d'Ali Bongo. Bientôt, les bongos et les valentins ne seront plus qu'un mauvais souvenir dans la vie des Gabonais. Nous sommes presque au bout du rouleau. Alors, ne relâchez pas. Je souhaite que vous ayez une autre grille de lecture. Moi, j'ai une autre grille de lecture qui est différente certainement de certains d'entre vous, Mais la grille de lecture qui est la mienne me permet aujourd'hui de verser dans un optimisme même béat. Les bongos et les valentins ne seront plus bientôt qu'un mauvais souvenir. Laissez les gens qui sont en train de s'agiter, qui parlent de 2023. Pour être candidat en 2023, il faut être vivant d'abord. Donc, tenez bon. Nous sommes presque au bout du rouleau. Le chemin que nous avons parcouru est plus long que celui qui nous reste à parcourir. Donc, ne cédez pas à la tentation. Ne cédez pas à la manipulation. Il y a ces opérations de com' que vous voyez, comme ces opérations qu'on a vues
à Franceville, au chef-lieu du département, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, avec des opérations de charme menées par les sbires de Lali Bongo et de son fils. Mais nous sommes arrivés au bout du rouleau. Ça, c'est ce qu'on appelle en français le chant du cygne. Ce que les Bongo et les Bandits sont en train de faire là, c'est le chant du cygne. Nous arrivons au bout de notre combat. Qui le prépare 2023, c'est tant pis, on s'en fout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après 2023, ils ne seront plus là. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Tchad? Le président Idriss Déby, qui est son âme, qui va être mis sous terre dans quelques instants. Le président Idriss Déby brigue un sixième mandat. Il a envoyé en prison ses opposants, il a fait disparaître certains. Il a tué même les proches de ses adversaires. Il a fêté la victoire la veille. Mais quelques heures après, il a trouvé la mort dans des conditions qui ne sont pas encore clairement connues, qui ne sont pas encore élucidées. Et pourtant, il partait pour un sixième mandat après 30 ans passés à la tête du Tchad. Donc, ce que les Valentin et les Bongo sont en train de faire en ce moment au Gabon ne doit pas avoir une incidence psychologique sur vous. Ce sont des opérations de com, mais on sait en réalité que c'est la fin de ces systèmes. Si le lion lèche déjà ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Ce qui vient de se passer au Tchad doit vous interpeller. Et ce qui vient de se passer au Tchad va faire le tour de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale qui est l'antre des dictateurs. Donc, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas vous décourager. Nous sommes arrivés au bout de ce combat. Nous apercevons presque le bout du tunnel. Il y a déjà cette loupiote qui est allumée au bout du tunnel. Vous ne pouvez plus faire demi-tour quand vous arrivez au bout du tunnel. Le chemin que nous avons parcouru est plus long que celui qui nous reste à parcourir. On voit presque la ligne d'arrivée. Il faut appuyer sur la chanterelle. Je vous dis qu'il faut appuyer sur la chanterelle parce qu'on arrive à la ligne finale, au point final. Donc, je vous dis tout simplement qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être entreprises. On ne peut plus parler de ce qui va être fait. Parce que nous savons qu'en face de nous, nous avons des personnes aussi qui réfléchissent. Même s'il y a des tarés, des ciboulots dans ce système, mais il y a aussi des personnes qui réfléchissent. Donc, on ne peut pas déballer tout sur la toile. Tout ce que je puisse vous demander aujourd'hui, c'est de garder le moral, de garder le mental et de rester donc focus sur notre objectif qui est la libération de notre pays. Bientôt, les Bongo et les Valentins ne seront plus qu'un mauvais souvenir dans notre vie. On va les ranger dans le registre des incidents de parcours dans la vie politique de notre beau pays, le Gabon, qu'ils ont transformé en pandémonium. Mais après, on passera à autre chose. Les Gabonais ont besoin d'entendre parler de l'avenir. Parce qu'avec les Bongo, il n'y a aucun avenir. Vous voyez, aujourd'hui, tout est pratiquement au ralenti. Rien ne marche. Rien ne marche dans notre pays aujourd'hui parce qu'on a donné le pays à des personnes qui n'ont pas les capacités nécessaires pour diriger un pays. Ce sont des personnes dénuées de patriotisme. Ce qui peut se comprendre dans une moindre mesure, parce que la plupart ce sont des métèques qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Et quand vous avez des gens comme ça, ils ne peuvent pas mettre en valeur un pays, parce qu'ils n'ont aucun lien avec ces pays-là. Donc, il nous faut rester focus. Ce qui se passe en ce moment en Afrique centrale doit interpeller plus d'une personne. Vous avez vu quand même aux obsèques d'Idriss Déby, il y a certains qui ne sont pas partis. Ils ont peur aujourd'hui.
Certains ne sont même pas partis aux obsèques de Distébi. Ils ont peur. Ali Bongo qui dit qu'il a de l'énergie à revendre. Mais où est-il? Pourquoi c'est la première ministre qui l'envoie? Il nous dit qu'il a de l'énergie à vendre. Alors, il pense qu'en 2023, il va lancer la campagne à Libreville. Et puis, ce sont ces sbires qui vont faire la campagne dans le pays. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne se passera pas. D'abord, il faut qu'il arrive jusqu'en 2023 vivant. Parce qu'on sait qu'il vit 24 heures renouvelables. Il vit 24 heures renouvelables et on ne peut pas être avec quelqu'un comme ça, le prenant à la tête. L'État, le Gabon, a besoin d'avoir un chef en forme, quelqu'un qui connaît les enjeux du moment, quelqu'un qui connaît les défis, mais pas un paresseux, pas un grabataire à la tête du pays. On n'a pas besoin de ça. La bouteflicalisation du Gabon ne se passera pas. Il veut faire comme Bouteflika, mais les Gabonais, on ne doit pas accepter ça. Donc, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, ceux qui préparent la campagne présidentielle pour 2023 n'ont qu'à préparer. Vous savez que c'est le printemps des opportunistes. Vous voyez que les gens commencent à lancer des appels pour un dialogue, appels pour la paix des braves. Mais c'est le printemps des opportunistes. À chaque fois qu'il y a une élection, c'est à ce moment-là que l'argent du Gabon sort. Il n'y a pas d'argent pour régler les problèmes des citoyens qui pataugent dans le sous-développement et la misère, mais il y a de l'argent pour faire des campagnes de charme, pour séduire, pour faire le tour du Gabon, pour faire l'achat de conscience. C'est bien beau. Donc, laissez les gens aller prendre leurs gains. Mais ce qu'on sait, c'est que bientôt, les Bongo et les Valentins ne seront plus qu'un mauvais souvenir dans la vie de notre pays. Donc, ne vous découragez pas. Je vois que la toile est calme, mais il y a beaucoup de choses à afficher. Filmez tout ce qui va mal dans le Gabon profond, les routes, autres. Publiez sur la toile. Quand vous dormez, quand vous ne faites rien, on a l'impression que tout va bien. Or, il y a beaucoup de choses au Gabon qui ne vont pas bien. Moi, je vois les Gabonais chaque fois qu'il y a des matchs de football. On parle du Real de Madrid, on parle de Paris Saint-Germain, on parle de la Juventus de Turin et tout. Mais il y a des problèmes du Gabon qui sont plus importants. Vous ne pouvez pas parler de ce qui est ailleurs, qui est loin, et laisser ce qui vous intéresse, qui nous intéresse, qui touche à notre vie quotidienne. Donc c'est bien beau de parler des équipes de football, c'est bien beau de parler des acteurs, des artistes internationaux, mais c'est mieux de parler de notre pays d'abord parce que notre pays va très mal. On ne doit pas se taire. Rien que par patriotisme, on ne doit pas se taire. Je vois que les gens sont plus tournés vers des débats en dessous de la ceinture. Ils sont plus portés vers le sexe. Et ça même, grâce à Dieu, elle a dit récemment dans sa vidéo, les Gabonais sont plus intéressés par le sexe. Mais le sexe est là depuis la nuit des temps. Ça ne passe pas. En revanche, quand vous êtes empêtré dans des problèmes inextricables comme ceux qu'on connaît en ce moment, le sexe ne peut même plus avoir son importance. Parce que vous allez faire des enfants, vous allez les élever avec quels moyens? Aujourd'hui, on vit 24 heures renouvelables dans ce pays. Parce que les Bongo continuent à foutre du bordel. Les Bongo et leurs affiliés. Vous voyez ce qu'ils font? Donc, c'est bien beau de parler des équipes de football. Moi, j'aimerais que le même entrain se manifeste sur le plan national. J'aimerais que la célérité avec laquelle les gens publient les prouesses de telle équipe étrangère, qu'on parle avec la même célérité des problèmes du pays. Mais les gens restent motus et bouche cousue. Et quand vous ne parlez pas, vous subissez. Je vous dis souvent que celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Donc il faut accentuer la pression. En mettant la pression, il y a un certain nombre de choses que nous empêchons. Nous empêchons un certain nombre de choses de se passer dans notre pays parce que nous mettons la pression sur le plan médiatique. Vous savez vous-même, et j'ai l'habitude de vous le répéter,
L'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. L'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. Il faut donc accentuer la pression. Les bongos vont tomber. Les Valentins vont tomber. Ils pensent que le Gabon, c'est leur patrimoine. Sylvia Bongo et son fils Loïc Bongo continuent à foutre du bordel dans notre beau pays. Ils continuent à dilapider les fonds publics. Ils ont pris la trésorerie générale comme la caisse des Valentins. Mais ça, c'est à nous de dire, c'est fini. Et je vous le rappelle, ce qui s'est passé au Tchad se passera sur l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui les antres des dictateurs. Donc, quand les gens ne veulent pas partir, ils subissent ça. Voyez-vous, le président Idriss Déby, quand il est arrivé au pouvoir, en 90, il avait dit qu'il venait pour deux mandats. Alors, s'il était parti au terme de ce deux mandats, il serait resté en vie aujourd'hui. Si le président Idriss Déby était resté pour deux mandats, il serait parti, il serait en vie aujourd'hui. Regardez ce qu'a fait le président, l'ancien président béninois, Yayi Boni. Yayi Boni a fait ce mandat, il est parti. Et ça, ça évite les problèmes. Parce que le singe qui reste longtemps sur une branche devient la proie du chasseur. Donc, vous-même, vous savez, sincèrement, qu'il faut un certain nombre d'actions à mener. Je vous ai parlé du Haut Conseil de la Révolution, et je répète encore, il y a des actions à initier. Nous ne serons jamais des terroristes dans notre pays, jamais. Nous n'accepterons jamais le terrorisme dans notre pays, parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Mais nous allons mener le combat avec les moyens légaux, les moyens que nous confère d'autres lois aussi fondamentales, mais aussi les traités internationaux. Vous avez même la Déclaration universelle des droits de l'homme qui permet au peuple de se lever quand ça ne va pas. Et c'est pourquoi je dis, on ne doit pas rester silencieux. On doit se battre. Donc, on ne doit pas croiser les bras comme je vois les gens qui disent « Oui, c'est fini, non pas de 2023. » Mais Omar Bongo parlait de 2012, hein. Il devait se représenter, je sais en quelle année là. Mais lui, Gaston Maïla, avait répondu que M. Le Président, pour être candidat, il faut être là. Il faut être vivant. Mais il est mort en 2009. Donc, il n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat. Voilà le cas du président Idriss Déby, qui venait de remporter un sixième mandat. Mais vous avez vu comment ça s'est passé? Il fait comme aujourd'hui, quelques heures après, il trouve la mort. Parce que la route n'enseigne pas au voyageur ce qu'il attend à l'étape. La route n'enseigne pas au voyageur ce qu'il attend à l'étape. Donc les gens qui font les calculs là, je ne sais pas, peut-être ont-ils cette communion avec Dieu et Dieu leur donne cette garantie. Mais moi, je me méfie de l'avenir parce que l'avenir, c'est un mystère. Personne ne peut savoir exactement ce que nous réserve l'avenir. Donc, j'ai une chose à vous demander aujourd'hui. Ne vous laissez pas enterrer vivant par les bongos. Ces terres, c'est accepter de se faire enterrer vivant par les bongos et les Valentins qui ont pris en otage notre pays. On ne doit pas ces terres. La vie, c'est un combat perpétuel et on doit le mener avec acharnement et sans relâche. Donc, il ne faut pas ces terres. On doit continuer à ferrailler de nos plumes, de nos voix et d'autres moyens à notre possession pour mettre un terme à ces régimes. Et je vous dis déjà, nous sommes sur la bonne voie. J'ai l'habitude de vous le rappeler. Le mouton qui lèche la rosée finit par arriver au marigot. Le mouton qui lèche la rosée du matin, là, hein, finit par arriver juste au marigot. Donc nous sommes déjà sur la bonne voie. Je ne peux pas vous donner ce nombre d'informations parce que, naturellement, je vais trahir certaines sources et je vais alerter les autres. Je vous dis seulement, bientôt, ces gens-là ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Vous allez bien me dire que oh, c'est une litanie, chaque fois c'est comme ça. Ça devient comme c'est Jésus revient, il ne revient pas. Non,
Je vous dis ça en connaissance des causes. Donc, ne croisez pas les bras. Il ne faut pas aimer la facilité. On nous a certainement habitués à la facilité. C'est normal. Maintenant, là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous devons nous battre pour nos droits. Nous devons nous battre pour récupérer notre pays qui est entre les mains de ces apatrides qui n'aiment pas le Gabon. C'est tout ce que je veux dire. Maintenant, tout ce qu'ils font, c'est vraiment de la bouillie pour les chats. C'est de la véritable bouillie pour les chats. Quand ça arrivera, quand ils vont tomber, ce sera au moment le plus inattendu. Je vous assure, souvent, les gens n'imaginent pas. C'est-à-dire qu'un bon matin, vous allez vous réveiller, quelque chose sera déjà passé. Et ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, ne vous découragez pas. Tenez le bon bout. Les bongos, les valentins ne seront plus bientôt qu'un mauvais souvenir dans l'histoire politique de notre pays. Ils ont eu cette chance de s'engraisser, de faire un certain nombre de choses, d'accord, mais ils ne peuvent plus faire les brouf au-delà d'un certain temps. Parce que, comme je vous le dis souvent, la dictature ne dépasse pas plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 52, 53, c'est bon. Mais cette dictature-là ne peut plus se régénérer. C'est fini. Vous voyez que les Gabonais, aujourd'hui, ont ouvert les yeux et ils ne sont plus prêts à faire allégeance à cette dictature-là. Et c'est nous qui devons continuer à entretenir cette flamme de l'espoir. Ne vous laissez pas enterrer vivant. Quand vous voyez les gens qui commencent à chanter qu'ils vous ont eu, il faut les surprendre. Il faut les surprendre. Quand les gens pensent que vous êtes mort là, mais il faut les surprendre. Vous voyez, moi, parfois, ils me disent oui, on l'a eu. Mais je renais de mes cendres. Donc, il y a des blagueurs qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. Mais ils oublient aussi que le destin les guette. Si tu sais ce qui te guette, si tu savais ce qui te guette, tu laisserais ce que tu guettes et te sauverais. Si tu savais ce qui te guette, tu laisserais ce que tu guettes et te sauverais. Si les bongos savaient ce qui se tramait, ce qui se préparait, je vois qu'ils auraient déjà négocié leur départ. Mais comme les gens sont comme ça, ils n'aiment pas la paix. Ils aiment seulement la brutalité. Ils attendent d'arriver devant faire pour agir. C'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui ont l'occasion de sortir par la grande porte, mais ils préfèrent sortir par la fenêtre. C'est comme la poule. La poule voit la porte, mais elle préfère sortir par la fenêtre. C'est comme ça que les bongos et les valentins sont. Ils voient la fenêtre, ils voient la porte, ils préfèrent sortir par la fenêtre. Alors, puisque les gens sont comme ça, alors il faut s'y mettre. On s'adapte à tout ça. Mais ne vous laissez jamais enterrer par des gens. Vos bourreaux, vous allez leur donner l'occasion de vous enterrer. Ils vous ont poussé au fond du précipice et vous laissez enterrer. Non! Moi, personnellement, je ne me laisserai jamais enterrer vivant. Jamais. J'aimerais que vous ayez le même moral de faire pour dire que je ne me laisserai jamais enterrer vivant. Que je dois me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang pour ne pas me laisser enterrer vivant par ces babioles politiques. Il faut être comme ça. Quand on pense que vous êtes au fond du précipice et que là vous êtes mort, c'est fini. Il faut surprendre les gens. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire qu'on avait conté mon grand-père sur le clair de lune. Cet homme était un touche-à-tout. Il faisait presque tout, tous les travaux qu'un homme doit faire dans un village. Cet homme s'appelait Mumbina. Et il y avait un moment de sécheresse. Les rivières avaient tari. Et Mumbina avait donc creusé un grand puits derrière la maison
Et lorsque les pluies sont revenues, Mbila a négligé ses puits qui lui permettaient de s'alimenter en eau. Et petit à petit, le puits là a fini par s'assécher aussi. Mais Mbila avait oublié de renfermer ses puits. Un trou profond. Mais voilà qu'un jour, Mbila avait son chien qu'il appelait Fait du Bien, mais qui avait vieilli, qui ne pouvait plus attraper du gibier parce que les dents étaient tombées. Et voilà que son chien, qu'il appelait Fait du Bien, est tombé dans ses trous. Et il s'est mis à crier là-bas. Mbina a lorgné, il a vu que c'était Fait du Bien. Après, il a dit non, il est trop vieux, il ne me sert plus à quelque chose. Il a dit, il ne sert plus à quelque chose, il faut qu'il meure là-bas, tant pis. Donc, c'est comme ça qu'il a appelé les voisins. Pour dire, bon, il est tombé lui-même. Bon, on va seulement renfermer la terre. On va remplir le trou. Et c'est comme ça que les voisins sont venus avec les pelles. Et pourtant, Fait du Bien, crier pour que son maître le sorte de là. Mais pour son maître, le sol était scellé. Fait du Bien était déjà mort presque. Donc il a demandé à ses voisins de l'aider à refermer le trou, de peur que les enfants tombent aussi dans ce trou. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à balancer des pelles, des terres. Mais Fait du Bien savait que son maître avait décidé déjà de son sort. Qu'est-ce que Fait du Bien a fait? Donc à chaque fois que les gens balançaient des pelletés, des terres, quand il balançait, Fait du Bien secouait ce sol-là, cette terre-là, et la terre tombait, et donc il ne faisait que monter. À chaque fois que la terre se rabattait sur lui, il bousculait son dos, et la terre tombait, et ça faisait une sorte de monticule. Mais sans le savoir, il versait, et Fait du Bien secouait, et ça tombait, et lui il montait dessus. Et au fur et à mesure qu'il versait, il bouchait le trou, et Fait du Bien montait à la surface sans le savoir. Et à un certain niveau, Fait du Bien a bondi. Il est sorti du trou. Alors qu'on le croyait mort. Et il a regardé son maître. Il s'est dit au fond de lui, donc les humains sont comme ça. Il dit, je ne suis pas mort, tu as voulu m'enterrer vivant. Son regard semblait exprimer ça. Que tu as voulu m'enterrer vivant. Et je ne suis pas mort. Je reste là avec toi. Mbembe. Fait du Bien a pris la route du village. Mais le trou, ils l'ont fermé. Donc, au moment où on croit mort au fond du précipice, quand on pense que là, vous n'allez plus sortir, il faut surprendre les gens. Au moment où les bongos pensent que nous sommes vaincus, au moment où ils pensent qu'ils vont régner ad vitam aeternam sur le Gabon, il faut leur prouver le contraire. Il faut leur prouver que vous n'êtes pas enterré vivant et que vous n'êtes même pas enterrable vivant parce que vous refusez de l'être. Parce que vous êtes doté d'une nouvelle conscience citoyenne qui ne va pas accepter que vous soyez ad vitam aeternam. Les serpillères de ces faquins qui nous servent de gouvernants. Merci de m'avoir reçu chez vous. Le combat continue et bientôt, ensemble, on chantera et on dansera à l'Uman Emmanaya. Le combat est terminé. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Sans dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Finissez.
7 ans qu'on le règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est un nouvel ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Mateo.